les gens, c'est Mister Noz et on se retrouve une fois de plus sur Minecraft à l'arrache saison 2, la libre aventure épisode 11. Oui, vous m'avez bien entendu, l'épisode 11, pas le 12, pas le 13, pas le 14, ni le 15, ni même le 10. Non madame, non monsieur, mais l'épisode 11. Donc, résumé de l'épisode précédent, et ça va être très court. On était dans le Nether. À chaque fois en début d'épisode, il faut que je bafouille comme ça. On était dans le Nether, on était dans le caca. On fait que mourir beaucoup, beaucoup et beaucoup de fois. Donc, bah écoutez, de toute façon, hein, ça va durer un petit moment. Je pense pas dépasser les 4-5 épisodes dans le Nether histoire de. Bah, de changer un petit peu. Et puis, si on doit faire une petite ellipse et revenir dans le monde réel, on reviendra dans le monde réel. Mais comme il est assez varié, bon, on va avancer. Allez hop, on y va, on se lance là, parce que à force de tergiverser là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Est-ce que je suis dans le bon monde au moins? Est-ce que c'est la bonne sauvegarde ça? Oui, voilà, c'est nous. Voilà, c'est ça, c'est ma bouille. Voilà, vas-y, lag. Alors attends. Vas-y, charge tes chunks. On n'avait plus rien. C'est ça l'idée. On n'a plus rien du tout. Donc on n'a plus rien du tout, on est complètement paumé, on est à poil. Alors attends, juste petite vérification. Facile, non, on avait changé en normal. Pourquoi il me remet en facile à chaque fois? Donc on avait dit en normal et on avait dit option graphique, soundchuck, c'est bon. Si peut-être les particules que je vais virer. Alors attendez, éclairage, graphisme rapide, ça c'est bon. Plein écran, niveau des détails 3. Allez, on va... Je peux baisser un petit peu? Non, bon, d'accord. Mouvement de tête, particules réduites. Bon, bah, réduite. Réduite, alors. Bon, bah, réduite. Synchro vertical, oui. Bloc alternatif, je sais pas ce que ça veut dire. On va virer les ombres. Ça peut être pas mal. Et puis, ça devrait suffire. Ça devrait suffire, déjà. Hop, reprendre la partie. Ouais, là, on est pas mal. On est pas mal. Niveau fluidité, on est pas mal. Mais on est toujours à poil. Est-ce que j'avance directement vers le village? On essaye. Ouais, on n'a pas un autre passage. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un truc écrit ici. Alors, c'est comme si on m'indiquait une route. Ah oui, tu parles des balises. Ils veulent toujours me taper dessus, eux? Sans déconner, non. Non, ils veulent pas me taper dessus. C'est comme si on m'indiquait une route, ouais. Ok, d'accord, les balises qui sont là. Ils veulent toujours me taper dessus ou ils veulent plus me taper dessus? Non, me dites pas que vous me suivez, hein. Non, vous me suivez pas. Alors, on s'en fiche. On va descendre par là. Là, il y a les casse-cales. Ouais, c'est chouette. On va bouger un petit peu. Alors, par où j'étais descendu? Par là, la dernière fois. Hop, ici, casse tes genoux. Hop, l'expression qui revient dans tous mes let's play, dans toutes mes vidéos, c'est casse tes genoux, quoi. Allez, hop. Ou achète-toi des genoux, non, c'est plutôt ça. Allez, hop. Casse tes genoux, c'est quelqu'un d'autre. Hop. Allez, hop, on se rebalade. J'aurais bien voulu prendre... Eh, pour l'instant, je me fais pas tirer dessus, j'y vais YOLO, moi. J'ai cassé du bois, tiens. Hop, en se cachant derrière l'arbre, on sait jamais. Ça peut toujours servir. On va se stuffer. Donc en fait les pics zombies ont l'air de me laisser tranquille. C'est plutôt une bonne chose. J'entends un gaz mais je dois être caché par l'arbre. Par contre s'il me tire dessus il va foutre le feu. Alors ça c'est fait. Une citrouille. Pas besoin. Non ça va pics zombies, t'es cool. T'es cool. Bon je t'aime moi aussi. Il faut s'aimer les uns les autres bordel de... il faut s'aimer les uns les autres. Alors on y va. On suit le chemin. Les balises qui sont ici. Donc on va essayer de faire vite quand même, si je me trompe pas de route. Là on arrive en vue du bunker. D'ailleurs en fait j'aurais pu récupérer mon stuff l'épisode d'avant, j'ai même pas fait gaffe. J'étais persuadé qu'il était tombé dans la lave mais je suis même pas sûr de ça. D'ailleurs il y avait des épées dans le bunker, on va essayer d'en prendre. Attends, je m'enferme. On avait tout cassé au niveau des spawners? Ouais, des mobs spawners. Alors, déjà un casque. Ici, là on a quoi? On a rien d'intéressant. Ici, on va prendre l'arc. Ne sait-on jamais. Ça je me stufferai après. Épée, je vais en prendre au moins deux.
Au moins deux. Les silex, ça peut me servir. On sait jamais. L'émeraude. Allez, je la prends. Histoire de dire, j'ai pris une émeraude. Voilà. Voilà. Et puis c'est tout, hein, au niveau des coffres, hein, il me semble. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. Inventaire, remarque. Fais-moi des planches, quoi. Hein, ça peut me servir. Et puis tu vas me mettre ton épée ici. Tu vas me mettre ton casque sur ta tête. Et puis l'arc à portée de main. Et hop, bon déjà ça va mieux. On sait jamais ce qui peut me tomber sur le coin de la tête. C'était par là la route? Je sais même plus. Bah oui, c'est balisé. Ah, c'est Liane. C'est Liane qui m'encombre. Hop. Alors c'est pas très grave que j'ai pas beaucoup de chunks dans le nether parce que de toute façon on voit pas plus loin que le bout de notre nez. Alors, on a le donjon aussi hein, à explorer avec les blazes. Ça va être galère. Ça va être galère. On pourrait essayer, remarque. Directement, ça nous changerait. Ce qu'il y a, c'est que si je mets du bois ici, ça va cramer. Donc il faudrait que je ramasse de la roche. Je vais essayer de trouver une pioche. On va retourner dans le village, c'est vrai que j'avais fermé. Allez, vas-y, casse ta porte. Je me demande si ça va pas plus vite de casser des bruits. Ouais, mais attends, non, vaut mieux casser la porte. Allez, on fait comme dans l'épisode précédent, on refait exactement le même geste, on va casser la porte, on va la reprendre, on va la replacer, quoi. Allez, une fois ça suffit pas, bah non, faut bien faire les choses, un jour sans fin. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous conseille. Tous les jours on se réveille, c'est la même journée. C'est bien. C'est pas du tout redondant. Non. Allez, vas-y, mais casse ta porte! Oh la vache. T'es obligé d'être désagréable. Bon, ici, il nous faut du matos. Bon, il nous faut du matos, parce que c'est pas le toutou, hein, mais c'est pas le toutou. Qu'est-ce qu'il y a là? Nous sommes assaillis de toutes parts. Ah, bah oui, bah t'as pas de bol. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est des robinets. Des boutons qui servent à rien. Alors, c'est pour la déco. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Ça se trouve, je suis déjà venu ici. Non, il n'y a rien d'intéressant. Mais vas-y, investigation du matos. Du matos, ici, on était venu? Je sais même plus. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Ce château Aventura est sorti de nulle part. Mais les gens faisaient comme s'il avait toujours existé. Aha! Aha! Donc le sorcier Malikian, en fait, il viendrait pas de ce monde. Alors, cabane de l'artificier, on y a été. Ça, on l'a lu là-bas, il me semble. Ça, un coffre du Nether, mais comme je mets rien dedans, ça sert à rien. On n'a rien ici. Alors, ouais, il y a encore des bâtiments dans lesquels on n'est pas entré. Hein. Là. Maman, les petits bateaux, les lampadaires ont quitté des jambes. D'accord, tout va bien. Sinon, la drogue, ça fait combien de temps? Alors, ensuite. Bonjour, je vous retape pas dessus, il n'y a pas moyen. Là, on avait un tunnel hein, aussi. Dans une des baraques. Là, j'ai pas ouvert. Maison de l'alchimiste. Alors, on a peut-être des trucs dans le four. Alors. C'est ici que travaille l'alchimiste. L'alchimiste Valfera. Allez. Petit clin d'œil, Valfi. Bah tiens, des potions. Vas-y, donne-moi les potions. Allez, hop. Ça, c'est bien. Potion de résistance au feu. Oh, ça peut me servir. Potion de résistance au feu. Et potion de résistance au feu. Bah oui, c'est dans la salle de garde, il m'avait dit. Allez, demander. Merci l'alchimiste. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Est-ce que je descends pour... Est-ce que j'ai fait toutes les baraques déjà? Maison... Ah, maison du fidèle errant. Ah oui. Je sais pas pourquoi. Mais je la sens mauvaise. Ouais, c'est pas terrible ça. Gloire à Cassandre, gloire à Hérobrine. Ah d'accord. Bon oui, le culte d'Hérobrine, l'église d'Aventura, le prêtre Cassandre, les zombies, les... Ah bah oui, bah. La roche rouge. Ouais, on sent que... Il y a eu comme un souci. Tous, je les tuerai tous. Normalement, c'est des têtes, hein, qui sont accrochées là. Des têtes de gens qui vivent. Donc là, je sais pas, il y a un bug de texture. Pas très grave, du sang partout, autel de sacrifice. Eh bah, il est sympa ce mec. C'est peut-être pour ça que je croise pas grand monde dans le village, c'est qu'il a dû tous les buter. Ok, d'accord, moi. Attends, ici j'ai pas été?
Bonjour. Ou alors c'est toi qui as ouvert la porte? Attends, j'ai. Je suis monté à l'étage. Mais oui, je suis monté à l'étage. Où elle était la pièce là? Ça menait où? C'est où qu'il y avait une trappe dans la bibliothèque? Ça c'est la maison de l'alchimiste. Ce n'est pas Nubi qui va nous sauver. Bah non, non, c'est sûr. C'est pas Nubi qui va vous sauver. Elle est où cette bibliothèque? Où il y avait un passage. Ça c'est la prison. Ah bah j'ai tout perdu. C'est pas là? Non, ça c'est le bar. Bah mince, je reconnais même plus ma map. Alors ici, il y a des villageois qui copulent. Une fois, ouais, bah ça on avait lu. Ok, il y a moyen d'aménager ici, hein. On pourrait se poser là. Hein. Mais je sais pas pourquoi. J'ai comme l'impression qu'on va pas y rester longtemps. Et mince, incapable de retrouver cette baraque. C'est dingue ça. Bah écoute. Je dois me mélanger les pinceaux. Je dois mélanger les pinceaux. Mais attends, c'est étrange quand même. Ça, c'est quoi ici? Là. Ah, j'y suis pas allé. Depuis mon séminaire, je me sens malade. Cela fait des mois que nous sommes coincés ici. D'accord. Ici, la nourriture change du steak de pig zombie. Le pire, c'est les gaz. Il nous faut des archers. Ah. Dans un truc ici. Les fruits ici sont comestibles mais ont un sale goût. Ah, il y a un truc avec les fruits. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Certains villageois commercent avec des pigs zombies. Ah bah attends, il y a du stuff ici. Bon, du sucre. Des graines. Je pourrais pas les faire pousser de toute façon. Du pain, tiens, ça va faire du pain. Ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est très bien. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Oui, parce que j'ai plus de bouffe, eh. J'y pense. J'ai plus de bouffe. Et ben heureusement que je tombe là-dessus. Non mais. Non mais. Il y a un inventaire en bas. Un atelier. Un établi. Un quelque chose. Alors attends. Parce que. Est-ce qu'il y a ça? Attends, là il y a des trucs dans le coffre. Oh superbe! Bah attends, je t'en prends ça, je te prends ça, je te prends ça. Nous, ça sert à rien. Pioche en fer, oui. Une hache en fer. Je vais en laisser là parce qu'on sait jamais. Et là j'ai quoi? Bah pelle. J'en prends une. Des épées j'en ai deux. Ça devrait suffire. Ah ça va déjà mieux. Ah mais ça se trouve. Mais comme quoi? Bon elle est où cette bibliothèque? J'ai pas halluciné quand même. La bibliothèque elle est où? Elle est où? Bon tant pis hein, je vais partir, hein, je vais pas rester 15 000 ans dans l'artificier, non. J'étais persuadé qu'elle était par là. Alors, j'ai pas bonne mémoire, je suis pas du tout au bon endroit. Ok, ça c'est la salle de garde. La prison. Le bar. Bon. Bon. Bah je vais m'en aller. Ah bah si, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Et attends. Y avait pas un truc? Y a pas un passage là, non? Y en a pas un autre dans un angle? On sait jamais. Hop, ici, saleté, saleté. Je me doutais bien que j'avais fait un truc dans ce genre-là. tiens, bah j'ai une hache. Casse-moi ça. Saleté. Je me doutais bien. Alors tu passes. Ah, faut casser celle-ci aussi. Ok, vas-y, casse celle-ci aussi. Ah la saleté. Comment je suis une vraie crapule. Voilà. Ah, voilà. Bien. Il me faut toujours du pain, par contre. Il me faut toujours du pain. Il me faut du pain. Parce qu'il me faut du pain. Parce que le pain, ça sert à manger. Il faut que je mange. Et il faut que je mange tout de suite. Je vais me faire un inventaire. Hop, hop. Voilà, ça c'est fait. Il y en a partout, mais faut que j'en fasse un quand même. J'ai dit quoi? Du pain. Alors hop, ça c'est fait. Bah voilà, un manger. Alors qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-bas? On va aller voir. Des indices peut-être? Oui, j'ai vu Merlin. Il cherchait l'ermite. L'ermite? Il s'était installé près d'Aventura et lui aussi a été emporté dans cette dimension avec nous. Merlin dit que son savoir pourrait nous aider. Je crois qu'on a été dans la maison de l'ermite. Parce que c'était là où il y avait des pommes en tapisserie là et un.
un toit en briques du Nether. Donc c'est pour ça, et on voulait descendre par là. Alors attention, épée en diamant, mon arc. Mon arc, j'ai quoi? J'ai trois flèches? Ouais, j'ai trois flèches. On sait jamais. Est-ce que j'ai des torches? J'ai pas des torches. J'ai pas des torches. Vous savez quoi? Bah j'espère que c'est pas trop sombre. Je vais avancer vite. Comme ça, j'arriverai vite au bout. J'espère que c'est assez éclairé. C'est assez lumineux. Normalement, oui. Hein. Normalement, oui. Je devrais pas avoir trop de soucis. Allez, vas-y, avance, 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 avance. Ça grimpe où, ça? Ça grimpe où? Eh, mais je monte jusqu'où, là, comme ça? Eh, la vache. Bah, de toute façon, j'aurais pas pu vous poser des torches. Donc, sachez que je grimpe à une échelle. Et que je grimpe encore. Et que là aussi, je grimpe. Est-ce que je vous ai dit que je grimpais? Parce que là, je grimpe, en fait. Allez, mais vas-y, mais non, mais tu vas jusqu'où, comme ça? Eh! C'est l'infini et l'au-delà. Plus l'au-delà que l'infini. Non, c'est bon, on arrive quelque part. On arrive quelque part, les gens. On arrive sur le toit du Nether. Et il y a un gros que dans la manche courte. À moins que, option. On va faire option graphique. Et là, on va se mettre une petite distance de 20 chunks. Pour voir. Des fois que. Donc normalement on perd pas le centre. Il y a de la lumière. On va voir si il y a autre chose. On perd pas ça de vue. On est sur le toit du Nether, les gens. Et petit lag. Des trucs qui doivent s'afficher. On peut toujours revenir en arrière parce que c'est pas le coup de se perdre. Hein. Parce que là, faut pas se perdre. En tout cas, ça charge. Oh là, petit, c'est peut-être beaucoup, 20 chunks. On va rebaisser tout ça. Option graphique, on va redescendre à 10. 10 déjà, 10 déjà. 11, allez, 11. Alors, il se passe quoi? Il y a quelque chose ou il y a rien? En tout cas, on le verra venir. Non. Non. Je peux toujours voir revenir en arrière. Ouais. Ouais. Bon, bah, il n'y a rien. On redescend. Allez, on redescend. C'était bien la peine de monter. Bon, en tout cas, il y a peut-être des choses à voir. S'il y a un accès ici, c'est qu'à proximité, il y a des trucs à faire. Puis je me connais. Hein. Voilà, je sais pourquoi c'est là, ceci. Pas vous. Moi, oui. Mais on n'est pas au bon endroit. Donc on redescend. Attends, on peut pas redescendre plus vite. Donc là, je descends. Hein. Pareil, si jamais c'est pas assez éclairé. Je me laisse tomber. Bon, j'ai une épée en diamant déjà, c'est bien. Ensuite, j'ai un arc, j'ai trois flèches. J'ai à manger. Donc, on va pouvoir, on va pouvoir continuer. J'ai pas regardé l'heure. Bon, ça fait pas si longtemps qu'on a commencé. Non, hein. Bah non. On va encore jouer un petit peu. Si on doit faire un épisode de 40 minutes, on fait un épisode de 40 minutes du moment qu'il se passe des trucs. Allez, on sort de là. Retour dans la bibliothèque, on est resté assez longtemps dans le village, je vous propose qu'on s'en aille du village là. On a trouvé du stuff. Donc déjà c'est bien. J'ai failli le taper. On n'est pas au bon endroit. La sortie elle est par là. Eh bien sors de là toi. Hop, on va sortir d'ici. On va laisser la porte ouverte aussi. Y'a rien dans l'arbre là? Des fois que. Pas un accès, pas une issue. Non, bon bah là on s'en va. Là pourquoi c'est fermé? On l'a lu ça. Oui, on l'a lu. Ça y est, je me perds. C'est de l'autre côté. Allez, on s'en va. On sort de là. On va aller attaquer le donjon. On va aller attaquer le donjon. On va prendre de la bouse. Oh. Ah ouais. Ah, c'est qu'ils rigolent pas les mecs. Hein. Oh, ça va sentir le cochon grillé, je sens bientôt. Je sens que ça va sentir le cochon grillé. Ou alors cette map, hein, quand je vous la filerai, vous jouerez bien avec comme vous voudrez. Hop, ce serait culotté d'ailleurs de vous dire de faire autrement. Alors, bah tiens, bah en fait j'ai pas besoin de bloc de boost. Allez, on va casser tout ça. On va casser tout ça, on va se faire un escalier. On va grimper, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se laisse abattre. Hein, non mais, hein, c'est quand même l'expédition. On est quand même à la recherche là de Merlin Wizardy, du coup de l'ermite.
Alors, de l'ermite, qu'est-ce qu'il a bien pu faire cet ermite? Qui c'est cet ermite? Bah, c'est à nous de découvrir. On va continuer, j'allais dire d'investir nos investigations. Hop, en espérant que ça prenne pas 15 plombes. Il me faudrait des torches. Et vous savez quoi? Je vais m'enguiver parce que des fois que ce serait trop sombre, j'ai pas envie que vous soyez dans le noir. Alors, game mode 1. Hop, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire plutôt que d'aller chercher partout. C'est vraiment pour une question de confort, hein, c'est pas pour une question de triche. Et on est les. Je sais même plus où elles sont rangées les torches. Ici, je crois. Voilà, on va s'enguiver un stack. Voilà, allez hop. Et puis on fait comme si on n'avait rien vu. Ça, hop, je le garde. Et puis on repasse en game mode 0. Hop, je le fais devant vos yeux ébahis. Comme ça, je triche, mais en règle. Hop, et puis je vais vous poser des torches. Ce sera mieux. Hop. Le mec en pose deux côte à côte, c'est vachement utile. Hop, alors là, on en est où? On n'est pas arrivé tout en haut encore. Je sens qu'on n'y arrivera jamais d'ailleurs. Allez, hop, vas-y, grimpe. Là, et ça sent le ghast. Alors, si le ghast, il nous tire dessus, je vous explique pas comment on est mal, hein. On va être vraiment, vraiment mal. Surtout qu'en haut, il y a l'air d'avoir du blaze. Enfin, il y a du blaze. On l'a vu déjà dans... Il y a deux épisodes. Attends, c'est quoi que j'ai entendu là? Ça me tire dessus? Fais pas le zouave. Non, sois cool, s'il te plaît, le ghast. J'ai pas envie de me battre. Tu veux pas qu'on se fasse un bisou plutôt? Hein? Pourquoi tout de suite là l'agression? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, je t'ai fait quelque chose, je t'ai rien fait en plus. Je t'ai absolument rien fait. Tiens, hop. Alors vas-y, on va y arriver au bout là où on va faire un épisode où on creuse et on marche. Allez, moi je veux un minimum de challenge. Donc on doit avoir la maison de l'ermite qui est juste au-dessus là. Ok, d'accord. Ça va durer longtemps. On va finir par faire la technique de l'ascenseur. Y'a quoi au-dessus? Y'a quoi au-dessus? On va faire la technique de l'ascenseur. On va faire la technique de l'ascenseur. Allez hop, attends. Technique de l'ascenseur à condition qu'on n'ait rien au-dessus de nous. Hop, là ça coince. Puis c'est peut-être même plus sécure de creuser comme ça au-dessus de sa tête. Allez hop, on va y aller. On va voir de quoi il en retourne. Oh, wow, 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 wow. Déjà ça? Non, 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 ça se pue, ça 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 pue. Ça pue, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Non, bah vas-y, dégage, 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 dégage. Mais moi je dégage aussi quoi. Oh, il y en a partout. Il y en a partout. Mais cours! Mais cours! Me dis pas que t'es trop chargé. Oh là là, du squelette partout. Mais cours, on va par là. Un mob spawner, une pioche. Il a pas le temps, c'est du blaze en plus. Hop là. Dégage, 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 dégage. Dégage, dégage, dégage. Dégage. Ouh, 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 ouh. Il y en a un autre en face. Je suis comment au niveau de ma vie, il faut que je mange. Oh là là, mais sans stuff en plus, j'ai juste un casque, c'est pourri de mob spawner, il y a du blaze, il y a du squelette, il y a plein de trucs. Non, ça, c'est ça que je veux. Vas-y, n'apparaît pas, n'apparaît pas, n'apparaît pas. Hop. Alors je sais pas du tout où j'en suis là du coup. Là par contre, les donjons, je me perds. Hein. Je vous le dis clairement, les donjons, je me perds. Et je torche à droite. Oh, c'est quoi? Oh, c'est quoi ce truc? Oh, vas-y, dégage! Oh, le squelette de la mort qui tue de Dark Vador. Oui, je sais, c'est les machins du Nether. Mais. Ah, puis ils ont. Oh! 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 Qu'on n'y arrivera jamais! On n'y arrivera jamais! On n'y arrivera jamais! On n'y arrivera jamais! Attends. Attends. Comment on va faire? On va prendre par un autre biais. Hein. Moi je dis qu'on va passer par ailleurs. On va passer. On va passer. On va pas passer par là. Hein. Parce que ça a été encore rebelote. Alors j'ai perdu une épée en diamant là du coup. Comme quoi on peut. Vous pouvez. Je mets beaucoup de stuff à disposition dans beaucoup de coffres. Mais alors le but du jeu c'était de saturer votre inventaire d'ailleurs. Quelqu'un balisait le chemin, on l'a déjà lu. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais enfin si c'est volontaire en fait de remplir les coffres en fait pour être surchargé.
Mais vous voyez comme quoi il peut y avoir énormément de ressources à disposition, ça fait pas le tout, hein. Ça fait pas tout. Parce qu'on meurt beaucoup. Et à partir du moment où on meurt beaucoup, bah forcément, c'est beaucoup moins facile de progresser sans stuff. Alors moi ce que j'aimerais bien retrouver, c'est la maison de l'ermite. Tiens, là, il y a quoi? Ah oui! Ah bah on est revenu carrément au début. Là, on a moitié un donjon ou quoi? J'ai déjà vu ça quelque part. Ouais, mais non, en fait. Attends. Vas-y, je remonte. Et puis j'ai plus de blocs, forcément, à poser. Enfin, maintenant, j'en aurai un. Hop. Vas-y, laisse-moi passer. Alors, là, on a une espèce de donjon. Et là, on a la ville pétrifiée. Là, on a une baraque avec une route. Il faudrait que je monte plus haut. Il faudrait que je monte vers la ville pétrifiée, là. Parce que je connais à peu près pas le chemin. Je sais où je veux en venir. Ouais, j'ai plus de pioche, j'ai plus rien, quoi. Et puis je suppose que... Oh là 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 là. Je vais prendre de la bouse. On va prendre de la bouse. Allez, viens là, toi. Allez, creuse. Creuse, creuse, t'as que ça à faire. Enfin, pas de pelle, pas de hache, pas d'épée, pas d'armure. Ah, plus de bouffe! J'ai plus de bouffe! Oh là 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 là. Eh, ça va être chaud. Eh, ça va être chaud. Eh, ça va être super chaud. J'ai plus rien. J'ai absolument plus rien. Et je suis au fin fond du trou du monde. Mince, bah si en plus je me fais mal, comment je vais galérer? Il me faut du stuff. Vous avez du stuff, les gars? Oh ouais. Oh ouais. Je saurais que c'est là. Qu'est-ce qu'on a par là? Là, on a le Nether de chez Nether. Alors attention. On sait pas. On va essayer de grimper. Hein. Il y a un donjon là, il y a quoi? Attends, on va essayer de se faufiler. Ici, investigation. Ici, il n'y a pas des passages de secret? Non? Il n'y a rien? Ça m'étonne ça. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de passage secret. Hop, attends, on grimpe. Par là, il y a quoi? On sait pas. Là non plus. Vas-y, viens là, toi. Là, il y a un passage ici. Get. Là. Hop. Je vous pose même pas de... Bah non, j'ai plus de torche. C'était bien la peine que je m'en give, d'ailleurs. Eh, mais je suis à main nue, en fait. Bah oui, puisque j'ai pas d'épée. Et hop. Là, on est dans les méandres... d'un donjon. Oula, attends. Là, il y a un passage, là aussi. On en vient d'ici. Ah, mais mince. Par où je suis passé, moi, déjà? Alors, attends. Oui, bah, pique zombie. De toute façon, je vais pas vous taper. Je suis pas armé. Par là, on a quoi? Là, on retourne vers l'extérieur. Là, on peut descendre ou pas? On peut descendre, on peut monter. Où est-ce que ça mène? Les gars! Oh là, il y a des cavernes ici. Oh là, il y a des cavernes. Cavernes de l'infini. Hop! J'aimerais bien trouver un point de chute en fait pour terminer l'épisode où je serais assez sécure. Ce qu'il y a que j'ai, c'est que je sais pas. Vers où? Allez, oh, il y a un coffre. Attends, le coffre, si je peux avoir un peu de stuff. Qu'est-ce que j'en ai à faire d'une montre? J'en ai rien à faire d'une montre. Alors, hop, ici c'est quoi? Ça, c'est des flammes. Bon, je vais remonter par là. Ici, j'ai quoi? Ici, j'ai quoi? Ici, j'ai quoi? J'ai rien ici? Oh la vache, et ça descend. Là, ça descend aussi. Et c'est le labyrinthe! Là, je suis déjà allé par là ou pas? Ah, je sais même plus, je suis perdu, mais oui, mais j'ai fait le tour. Oh là là. Et ça y est, je suis perdu, quoi. Allez, hop, par là, il y a quoi? Est-ce qu'il y a un passage? Ah, j'ai pas vu. Ah ouais. Donc là, ça se mange ça ou pas? Une autre émeraude pour dire qu'on a pris une émeraude. Du foin. Une plume, des fois que j'aurais besoin de me faire une flèche. Super, voilà. J'ai vraiment le minimum, quoi. Ça se mange ça? Ça se mange, dis-moi que ça se mange. Ouais. Bon, déjà, je suis pas mort de faim.
Ah, j'ai le chat qui passe partout. À côté de moi, elle a vu une mouche, mon chat. Elle chasse la mouche. Alors, ici. Oh, bah j'ai des trucs. Enfin, non, j'ai des trucs. J'ai rien du tout dans les fours. J'ai rien du tout. Super, c'est super utile. C'est super utile, les gars, merci. C'est sympa. Mais alors, attends, parce que si je peux pas aller à gauche, je peux peut-être aller à droite. Si par là je suis pas passé et que je passe, ça m'emmène où? Et là, ça descend. Oh là. Oh là, et ça descend où ici? Oh là. Alors attends, bouge pas. Bouge pas. Miaou, mon chat qui fait miaou. Elle veut choper une mouche. C'est bien ça, pour ça, les animaux de compagnie, c'est pratique. Hop là, on va essayer. Oh non! Non! Mais non! Mais non, mais j'en ai marre! J'en ai marre! J'en ai marre! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible! Bon, allez, on va essayer de retourner à la maison de l'ermite et puis on va se laisser là pour cet épisode. Vas-y, faut que je creuse! Faut que je creuse! Faut que je creuse et faut que je monte! Allez, allez, hop! Vas-y, on essaye de se dépêcher un petit peu. Elle est où? Alors, il faut que je trouve la baraque. Remarque, là j'ai du charbon. Faut que je monte. Faut que je monte au moins. Faut que je monte d'un étage. Facile. Hop. Reprendre de l'altitude là. Parce que ça va pas là. On fait n'importe quoi. Je sais même plus dans quelle direction aller. Oh la vache, je suis perdu. Faut que j'aille par là. Oh bah attends, il y a des champignons, on sait jamais. Il y a des champignons, il y a du bois. Il y a des champignons géants aussi que je pourrais trouver. Bon, on laisse un pour faire pousser. Mais vas-y, casse-toi, l'abri, casse-toi. Je vais pas me giver une pioche non plus, quoi. Il y a des limites. Il y a des limites. Allez, vas-y. Aide-moi à grimper. Hop. Comme ça, ce sera parfait. On manque si je vais le casser. Allez, pose un bloc. Super. Le mec pas foutu capable de sauter deux blocs, quoi. Il y a un truc au-dessus de moi? Ah bah oui, ça aide pas. Voilà, forcément. Tiens, puis regarde, on va pas se compliquer la tâche non plus. Allez hop, ici. Hop. Par où on va? Voilà, c'est là. Là, la route, là. On va aller dans cette direction et on va aller se réfugier là-dedans, quoi. Alors, comment je grimpe? Je vais grimper par là. Hop, attends. J'enlève un cube. De la neige. De la neige dans le nether. Bah oui, forcément. Forcément. Mais on doit pouvoir faire pousser du blé, hein, je pense. Si on me plante relativement vite, j'ai de quoi me faire de la soupe. Donc déjà ça c'est bon signe. On va se mettre à l'abri. On va se mettre à l'abri parce que déjà qu'on meurt suffisamment de fois. Il va falloir assurer nos arrières. Alors la maison là-bas. Alors la maison là-bas. Elle est où la maison là-bas? Elle était par là. On doit être en dessous. On doit être en dessous. On va grimper. Hop. On va grimper. Et puis, on va terminer l'épisode ici. Alors, je vous cache pas, moi, je vais enchaîner derrière, hein, le 12. Allez, hop. Comme ça, vous l'aurez assez vite. Hop. De toute façon, en ce moment, j'en ai quasiment publié un par jour. Faut pas non plus que j'aille trop vite. Quoique, peu importe. Le but du jeu, c'est que vous les regardiez. Hop. Et que vous les appréciez. Alors, où est-ce que je suis? Il y a de tout. Il y a du gravier, il y a du simple. Bah, il y a de l'éponge. Il y a de l'éponge. Il y a de l'éponge. C'est nouveau ça. Alors, ça va Fripouille? Ouais, c'est beau, c'est cool. Le chat qui passe devant l'écran, c'est normal. Tout va bien. Je disais soit la maison de l'ermite, soit la maison avec la route là-bas. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus dans quelle direction il faut aller. Alors attendez. Hop. C'est bien, vous allez avoir pendant tout l'épisode le chat qui chante. Hein. Elle est là, la maison de l'ermite. Mais je vais aller dans l'autre direction. Je vais aller dans l'autre direction. Parce que on va visiter un petit peu. Cela ressemble aux vestiges d'une pile pétrifiée. Je l'ai déjà lu. Donc c'est bon, plutôt bon signe. C'est qu'on s'y retrouve. Alors, elle est où cette baraque? Là-bas? Attends, faut pas que je tombe non plus. Là-bas, il y a quoi? C'est là-bas? Oui, si, c'est bon, c'est là-bas. Oh, pardon, messieurs. Oh non! Non! Non!
Oh, j'ai eu peur. Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai que je peux pas remonter. Ah, taratata. Comment je fais là? Comment je fais? C'est un fail, hein. C'est un fail. Je m'en fiche, je lâche pas l'affaire. Vous aurez un épisode plus grand, je m'en fiche. Mais je lâche pas l'affaire. Je vais là-bas en faisant tout le tour. Oh, c'est un piège ambiance de. Ce niveau des. Du Nether, j'allais dire de l'Under, mais non, faut pas tout confondre. C'est le Nether, donc je suis passé par où? Je suis passé par là. Je suis passé par là. Ici, je crois. Oh, enfin, je suis passé quoi. Ça passe ou ça casse, et quand ça casse, ça passe. Alors là, on a cette ville-là. Ici, je voulais passer par là. On va y arriver vite en fait. On va y arriver vite. C'était par la bibliothèque suspendue. Alors, ou alors par le village pétrifié justement. On va passer par là. Histoire de voir si c'est sécure. Alors, hop, 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 on va y arriver, hein. Si on lâche pas l'affaire, on va y arriver. Donc attends, ben non, si je grimpe aux arbres, ça va pas le faire. Faut que je me dirige au bon endroit. Donc c'est pas là le bon endroit. Ça y est, je suis moitié paumé. Alors, ça c'est les champignons, ça c'est la maison de l'ermite qui est ici, donc c'est dans l'autre sens. Oh la vache. Oh la vache. Ouais, c'est en face de moi en fait. C'est en face de moi. La maison elle est là. Donc on va essayer juste de pas marcher dans les trous. Voilà. C'est ça, pardon monsieur. Voilà, elle est juste en face de moi. Faut faire gaffe où on marche. Puis normalement ça devrait bien se passer. Hein, puis au pire on pose un bloc. Vas-y, on va casser par là. Hein, on sait que au moins ici il y a un sol. Hop. On va passer au travers les fougères, les broussailles. Voilà, on va prendre notre temps. Et puis ça devrait le faire. Voilà. Voilà l'objectif. Quelle est cette étrange matière au sol? Ah ah, du bitume. Mais bah oui, dans un monde médiéval fantastique, ils sont pas censés savoir que ça existe. Et bah voilà les gens. On va faire ça. Voilà. Parfait. Yop. Bon. Bah voilà, c'était l'épisode 11 de la libre aventure, Minecraft à la rage saison 2. Sur ce, c'était laborieux. On va essayer de faire encore un ou deux épisodes dans le Nether. On va voir si on découvre des choses. Ce serait bien. On va y aller à l'arrache, hein. Avec ou sans armes, avec la bite et le couteau, hein, comme on dit dans le jargon, hein, c'est une expression populaire. Donc sur ce, c'était Mister Nose. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à l'épisode 12. Allez, ciao, ciao, bye!